à tous et à toutes, et bienvenue! Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au Let's Play de Civilization 5. Donc, pour vous faire un résumé de la situation précédemment, donc nous avons toujours Théodosiopolis qui est aux mains des Perses, Edesse ainsi qu'Antioche qui sont tombés entre leurs mains, Séleucie est tombée entre les mains des Vandales, ici nous avons trois villes, Naissus, Sirmium et Dyrrachium qui sont tombées aux mains des Goths, et la ville de Mystra a été libérée du joug des Vandales. Une contre-attaque est en train de se mettre en place sur Edesse, de ma part. Et ce que je vous propose de faire également, c'est le tour suivant. La grosse difficulté maintenant, c'est le fait que ma trésorerie est en négative, ce qui fait que le jeu a tendance à me dissoudre des unités automatiquement. Et généralement, ce ne sont pas les pires unités qu'il élimine. Donc il va falloir produire toujours plus, pour justement faire en sorte que mes unités soient capables de répondre présentes. Donc ici, il décide de quitter le navire. Et bah écoutez, très bien, moi ça me va parfaitement. Et là on va pouvoir commencer à mettre en place peut-être une contre-attaque directe sur Dyrrachium, une fois que mon spadassin aura repris les points de vie nécessaires. Ici, un petit truc intéressant, c'est qu'on peut faire ceci et envoyer notamment... Alors on va essayer de la jouer fine, mais d'envoyer un ouvrier pour réparer et ainsi se healer à l'infini. Donc ça c'est une petite astuce. Ici on va commencer à avancer nos pions. Parce qu'à un moment, voilà, il faut qu'on sorte du bois. Ok, toi t'es là. Il faut qu'on se prépare à lancer la contre-attaque et faire en sorte que ça passe. Ensuite ici, ils ont pas grand chose quand même. Ils ont pas grand chose, ça peut être intéressant. On va essayer de voir si on peut gratter peut-être un peu plus d'infos sur le terrain. Voilà, au moins de prendre peut-être les premiers dégâts. Moi ce que je compte faire, c'est mettre des unités ici, ici, ici. Commencer à mettre en place les catapultes, ma foi. Et essayer de rusher rapidement la ville en fait. Toi tu vas pouvoir rejoindre ici. Ici, on va bombarder à ce niveau-là. Moi, je vais lancer les troupes là pour commencer à faire sortir l'ennemi de cette zone-là. Hop, hop, avec une réparation rapidement pour regagner un peu de bonheur. Là, ça passe pour le moment. Ok. Bon, là c'est pas trop dégueulasse, ce qui fait que je vais peut-être pouvoir bouger mes unités là. Voilà, très bien ça. Très bien, très bien. Là il me faut progresser ici. Là, protection. On va essayer de lancer voilà, une petite contre-attaque aussi là. Non, faut que tu viennes ici. Je vais essayer d'envoyer un peu de troupes quand même. On va attendre que Dyrrachium. Attendre avant de relancer une attaque sur Dyrrachium. On va essayer de protéger les acquisitions. Et on va faire tour suivant. Très bien. Hop. Constantinople. Du coup, j'ai perdu une unité là-bas. Donc je vais la renvoyer là-bas. Et on va voir ce que ça donne. Donc les Sassanides m'ont fait quoi? Ils m'ont attaqué. Ce qui est pas con. Hein. Ils ont attaqué l'unité qui était capable évidemment de prendre la ville. Ok. Ensuite. Ouais, là c'est pas bon du tout. Donc là on a la ville qui est tombée. Donc là on va relancer un peu de protection à ce niveau-là. Bon là c'est l'attaque un peu du désespoir, j'ai envie de dire. Parce que ça passera jamais. Hop. Hop là, on va envoyer des troupes ici donc. Ici en protection, voilà, protection rapprochée tranquillement. Comment ça se passe ici? Bah ça se passe pas bien puisque du coup ils ont éliminé. Alors je pense pas qu'il a été éliminé par la ville au final. Là, je pense juste que l'unité a dû être dissoute. Pas trop m'avancer, voilà, l'unité a été dissoute.
ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'un des soucis. C'est l'un des soucis dans ce jeu. Enfin, des soucis non, parce que c'est logique, hein, vous n'avez pas d'argent, vous pouvez pas maintenir une armée en état de marche. Je trouve ça totalement pertinent. Bon, après, ça fait chier qu'il élimine juste mes meilleures unités, quoi. Mais bon, on en a d'autres qui sont là, qui sont prêtes à prendre leur relais. Et nous, on va poursuivre ici. Ah, c'est lui aussi, il n'y a quand même pas beaucoup de défense. Toi, tu vas aller plutôt prendre la ville, je pense. En deux tours. Très bien. Bon, Damas, il s'amuse toujours avec. Moi, il faut pas que je laisse passer cette unité, par contre. Non, on est toujours plutôt bien placé là. Pour l'instant, on n'y touche pas. On reste bloqué là. Ici, on se met en défense. Et là, on peut bombarder comme il se doit la zone. Hop. Est-ce que là je peux? Non, je pourrais pas en plus. C'est pas grave, on va faire. Faut démonter l'unité. Est-ce que là, est-ce que j'aurais assez? Non, je pense pas. Je vais faire 1, 2, 3 direct. Non, je vais rester là. Après, je bougerai. C'est pas très grave. Ici, on se met en mode défense. Défense. Ici, on va commencer à ravancer nos unités. Hop, tranquillement. Hop là, voilà. Ici, j'ai ça à distance. Parfait. Je peux peut-être avancer un peu mes troupes. Qui ? Très bien. Le tour va s'arrêter là, je pense. Et on va voir ce que ça donne. Aïe aïe aïe, oui, putain. Ah, ça fait chier par contre. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça va se rattraper dans 2 secondes. Toi, il va falloir des unités quand même de défense. Et là, j'ai l'impression qu'ils vont venir me rusher. On va faire des remparts quand même. Ici, ça donne quoi? Ici, ça donne un truc pas trop dégueulasse. On va rester comme ça. Là, ok. Donc ici. On va bombarder ça, très bien. Et puis on va continuer à remonter. Alors par contre, il faut vraiment que je fasse gaffe à faire favoriser la production. Parce qu'en fait, une fois que votre population passe dans le bonheur, ils ont tendance à remettre en favori tout ce qui va être nourriture. Donc comme j'ai tendance à faire le yo-yo, je risque de perdre des... Je pense que du perdre du temps de tour en fait, sans faire attention. Donc au moins là je serai quasiment sûr que ce sera toujours de l'optimisation comme j'ai envie sur de la prod. Donc là du coup, on risque d'avoir des petits problèmes. On va rusher un peu les catapultes, faut pas leur laisser la possibilité. Ici on va se défendre. Ici, on va se mettre là, on va bombarder l'unité. Ok. Toi, je veux que tu viennes ici quand même. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il m'a attaqué? Il m'a attaqué ma cavalerie. Ce qui n'est pas gênant en soi. Par contre, ce qu'il va falloir que je fasse... on va pas se permettre de perdre une cavalerie.
Non, merde, j'aurais pas dû faire ça, je suis con. Parce qu'après, je vais prendre ça. Très bien. Donc là, on va essayer d'envoyer des troupes là. Se remettre de la vie. S'éloigner un peu de la zone et bombarder. Toi, éliminé. Très bien. Ici, ça me donne quoi? Alors, on va rester là. Voilà. On élimine ça. Pouf, on pose ça. Je pense que j'ai un général qui doit être en route également. Non, j'en avais peut-être un, mais il va pas arriver tout de suite apparemment. C'est pas très grave, on va faire un cataphractaire. Parce que là, je vais avoir besoin, je pense, d'un général quand même. Pour essayer de reprendre la main. Et éviter de trop de subir le siège. Bah écoutez, toi tu vas pouvoir bombarder. Mettre en défense, défense. Bombarde. Très bien, en plus on a gagné ça. Et ça c'est parfait. Ok. Écoutez, on va le mettre là. Parce que je vais faire ma technique là, je pense. Ici on va bombarder. Ici du coup, ce serait certainement plus intéressant de le mettre là quoi. Si on se met en protection. Et si on sera encore mieux. Hop, on y va. On va essayer de récupérer cette cité. L'unité a été éliminée. C'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, on a été one shot quand même. C'est pas grave, c'est pas grave. Faut dire ça vite. Toi, tu vas rester en protection là. Edess s'est mis des murailles, donc ça fait un peu chier le monde. Voilà, non, c'est pas évident, c'était pas une bonne idée. Ça, ça c'était folle, la meilleure idée que j'ai eue. On s'en fout, c'est juste pour essayer d'accélérer le mouvement. Et là, je vais me prendre ça en fait. C'est pas grave. Bombarder. Je pense qu'on va devoir la récupérer. Je la récupère ou pas là? Écoutez, je vais faire une sauvegarde rapide. Juste pour être sûr. Bon, je l'ai pas prise. Je me permets au moins une sauvegarde, c'est que je voyais mal en fait. C'est pas bien! Une sauvegarde. Mais par contre, ouais, il m'a bien démonté ma catapulte quand même. Quand on y repense, c'était du OS. Hein. C'était. Pas de pitié, c'est OS, OS, OS. Donc bon. Mais je voyais mal, je pensais que je prenais la ville en fait. Donc apparemment, non, j'avais pas assez de PV. Il fallait vraiment que le truc soit à zéro. Alors, moi, je le saurais pour le prochain coup. Donc, du coup, Nicopolis. Il se me fait ça. Mais il s'est passé quoi? Il y aura un bug, je pense. Il y aura un bug ou... Ah, ils sont où, mais. Ouais, c'est qu'en fait, il y aura un bug, je suppose. Hein. Bon, je sais pas, j'ai raté un élément. C'est vraiment. Ok, non, mais excusez-moi, j'ai l'impression oui, que j'ai raté un truc, mais non, non, c'est bien ma partie. Ok, donc ici, comment ça se passe? Bah là, ça se passe bien. Ici, on va continuer à attaquer. Hop!
Et puis bon, on va lancer l'attaque. Hop. 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 Ici pour que tout le monde puisse bénéficier du bonus d'attaque. Et ça devrait tomber assez rapidement. Ah, plus de 50%, plus de 50% en un tour. Ça c'est très bien. Ici défense, ici défense. Ici tu peux dormir. Ici trap zone, je vais te mettre là. Peut-être donner un peu de grain à moudre aussi à mes ennemis. Il y a plein de villes qui sont passées à plus 1. Donc c'est juste parce que c'est la recharge, je pense. Parce que c'est la recharge, je pense. Unité dissoute. Très bien. C'est sur la catapulte. Ici on va faire de l'archer. Ici on va faire du lancier. Catapulte. On s'en fiche, on sait jamais si ça passe pas. Hop là, ici. Là le général va venir là en soutien. Ça aurait dû le faire avant, je pense. Là j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur tactique, je pense. Parce que ça, ça aurait dû être fait avant. Bon, après, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais voilà, en tout cas, la contre-attaque là se met bien en place. Du coup, est-ce que lui, je me permets de le mettre ici? J'ai bien envie d'aller renforcer quand même la défense qui risque d'avoir une grosse défense là quand même. Donc on va plutôt faire comme ça. Théodosiopolis, donc il met 20, pouf, parfait. Ah, je dis parfait. Après, oui et non. Parce que là, lui, le 1, là, il va essayer de me la mettre à l'envers. Ça, je les connais, eux, c'est des filous. Donc lui, il m'a démonté ma... Très bien. Là, on va se mettre en défense, plutôt. Ah super, là j'ai un nouveau général qui a pop. Et lui il va être essentiel à ma défense quoi. Donc là on est... Ah. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais on est quand même pas trop dégueulasse. Ce qu'on va faire, est-ce qu'on va vraiment éliminer lui là? J'aime pas trop avoir ce genre de personne à mes frontières. Dis pas bonjour, dis pas au revoir. Ici on a de l'ennemi là, là on peut bombarder là. Toi je peux bombarder là. Pouf. Oh. Comment c'est possible qu'il ne soit pas mort? Écoutez, on va faire ça. Si on va faire ça. Et si on va faire ça tranquillement. Tchouf. Voilà, là on leur a mis un petit coup de pression avec les catafractaires. Et ça j'aime quand je mets la pression comme ça. Il sent le poids de mon unité, là ça remonte bien ici. Toi tu vas pouvoir lui bombarder sa tronche. Là on va continuer notre bombardement des familles. Après eux, pouf, on va pouvoir le dégager. Là. Et hop là, merci, au revoir. Récupération de la ville et surtout récupération aussi des ressources de fer. Et ça c'est pas négligeable. Donc là comme je m'en doutais, ils m'ont lancé une attaque de chien sur cette zone. Cette unité est sacrifiable, celle-ci beaucoup moins. En plus j'ai de nouvelles troupes fraîches qui vont arriver. Donc là j'ai envie de dire, ça passe crème. Ça passe crème par contre, toi... Toi, c'est juste pour éviter que tu viennes me démonter ensuite. Ce qui risque d'arriver en fait. Mais pas sûr. Attends, là je pourrais pas mourir. Donc on va continuer ici la poursuite. Est-ce que là je peux? Là je peux. Ouais non là il faut pas se priver. Ils ont fait trop longtemps les malins. On va commencer à remonter nos troupes. Ah l'erreur, c'est pas ça que je voulais faire. On va changer de place ici. Est-ce qu'à votre avis ça peut passer?
Bon, je pense que ça passe. Pas avec lui, mais avec lui. Voilà, parfait ça, on gagne un tour. Ça, ça fait plaisir. On est à 4. On s'en fiche. On continue à faire du lancier. Ici, ici, ce qu'on fait. Non, fais pas de Drummond. Fais-moi un cataphractaire, ça permettra de renflouer un peu la zone. Fais-moi un spadassin. Et un métier militaine, on va faire de l'archer. Très bien. Donc là, du coup, ça va pouvoir renforcer aussi mes troupes à ce niveau-là. Théodosiopolis favorise évidemment la production. Toi, j'ai envie que tu reviennes quand même un peu plus par ici. Très bien, donc là Antioche va être pris en saucisse. On devrait plus être emmerdé par les Vandales, en tout cas à ce niveau là. Là il y a toujours un risque qui puisse arriver. Une unité à éliminer, celle-ci à la limite je m'en fous, bien au contraire. Donc, pareil, on va faire un petit stop ici au niveau de la progression. Alors pourquoi? Parce que mes unités, eh ben, ils ont besoin de respirer un petit peu quand même. Et donc on va les laisser respirer. Toi tu peux rester là, tu vas pas bouger. Et ça, ça va être mon job de les faire respirer. Tac, déjà lui on va lui prendre sa face. Ensuite, comment est-ce qu'on va faire? Eh ben, toi tu vas rester là, en mode défense, tranquille pépère. Pouf, tu vas me faire ça, et ici tu vas passer sur de la catapulte. Catapulte, là ça progresse bien, ça, ça me fait plaisir par contre. Voilà, lui depuis le temps que je voulais me le faire. Hop, là on continue le harcèlement, parce qu'il n'y a pas de raison. Là non, parce que je veux pas le tuer, donc si je le tue pas c'est pas intéressant. Là, tu vas pouvoir revenir là, tranquillement. Voilà. Ici, on se met en position. Préparation. Voilà. Prêt à intervenir, prêt à y aller. Ok. Ici, comment on va faire? Bah, ici, on va essayer de lui mettre ça aussi. Alors, on va passer en mode comme ça. Comme ça, il sera pris des deux côtés. Il sera pris des deux côtés. Donc, ça, c'est pas trop mal, ici on se défend. Si, 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 ça pourrait le faire, mais non, on va rester là pour l'instant. On n'est pas pressé. On est au tour. Tour 27. Je veux dire, il n'y a aucune raison de sacrifier nos unités. Sachant qu'on en aura besoin par la suite. Plutôt se mettre en défense. Excusez-moi. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc ces unités-là vont remonter ici. On va lancer une première contre-attaque assez intéressante, je pense. Voilà. Très bien. Ça, c'est très bien. Donc là, l'idée maintenant, ça va être de défendre cette zone. Contre l'ennemi. Ah non, oui, 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 bien sûr, ça faut que je fasse, il faut que je me protège, bien sûr. On est quand même pas dégueulasse. Je sais pas pour rester là. Aucune amélioration. Oui, je pourrais, mais non. Parce qu'après, je serais à portée de tir, prendre des dégâts également inutiles, donc non, on va pas faire ça. Par contre, on va continuer à faire du spadassin. Ici, on va se mettre en protection. Donc, j'ai dit. Ces unités-là vont rejoindre lui-là. Pour préparer un assaut amphibie. Il va m'en falloir un paquet quand même, sauf si je maintiens ce niveau, mais bon. Rien n'est moins sûr. Donc on va essayer d'aller là, comme ça. Avec évidemment l'amiral illustre. En second point, ces autres unités, on va plutôt les envoyer en défense autour de Sirène. Vu que les Romains sont en train de craquer de toutes parts, comme on peut le voir sur la mini-carte. Alors on va éviter de prendre des risques et on va quand même protéger nos bases arrière. Parce que là, pour y retourner, c'est en fin de game. Ça va être coton. Donc, ce que je propose, ici défense. Ici défense. Et
toi, en fait, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est plutôt que tu viennes débarquer quelque part par là. Ici, on va partir plutôt sur de l'archer en défense. Ici, fais-moi un petit marché, tiens. Un peu d'exotisme. Ici, les remparts. Essayer de protéger au mieux nos possessions. Ici, on va se mettre en position défensive. Et ici, du coup, ici également. Parce que là, ces villes-là, quand même, ça serait intéressant de les prendre. Ça me débarrasserait vraiment des Perses, quoi. Là, pour le coup. Alors là, voilà, ils me font le coup typique des 1. Donc soit je leur laisse, à la limite. Le seul inconvénient à leur laisser cette ville, pour tout vous dire, c'est que je vais prendre la pénalité des 20 points de culture. Donc ça, c'est vrai que ça peut être problématique. C'est pas le plus agréable. Voilà, comme ça, lui, je vais lui mettre ça. Ici, ça donne quoi? Ici, ça donne un mec là qui veut mourir. Donc, puisqu'il veut mourir, on va lui donner satisfaction. Pouf. Par contre, moi, du coup, je vais commencer aussi à avancer mes pions par là. Parce que moi, je veux récupérer Naissus. Hein. Donc, comme je veux le récupérer, bah, on va pas lui laisser, quoi. Eh hey. Pas fou, l'estico. Donc, ce que je peux faire aussi, c'est là, je peux lui défoncer sa gueule, à lui. On va plutôt faire ça. Là, il pourra rien faire de plus. Là, je lui donne ça. Il y a de la catapulte qui va sortir après. Alors, qu'est-ce que je me fais? Je me fais ça. Très bien. Je mets en défense. Mais si, je peux même avancer encore un peu. Bon, on va pas s'en priver. Éphèse, 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 Éphèse. Continue en nul, la troupe là, pour approuver et avancer notre... soutenir l'attaque. Ici, je récupère encore en plus une autre cataphractaire. Ouais, là c'est pas mal. Là je produis bien. Je produis bien, je produis haut. Je produis de la qualité. Mais bon, j'ai pas d'argent. Ça c'est la problématique. Mais c'est pas grave. On va se mettre en défense. Donc là je serai prêt à y aller ici. Prochain tour. Là, on va se mettre en défense ici. Pareil, prêt à y aller. Très bien. Là prêt à y aller aussi. Là dès que c'est ok, j'y vais. Moi ça m'a l'air d'être pas trop dégueulasse là, la mise en place. Par contre, ce que je voudrais bien faire, c'est peut-être ça. Comme ça, si je dois traverser, ce sera ok. Très bien. Prochain tour, on lance la bataille d'Antioche. Ici ça donne rien. Alors comment est-ce qu'on va faire? Moi je propose ça. Je propose ça. Je propose ça. Ensuite, je propose de faire ceci, de faire et ceci, et de mettre ça là. Ben voilà. Quand on veut, on peut, mes amis. Donc j'ai dit que j'envoyais ça là-bas. Donc toi, tu vas venir ici. On va vraiment protéger Sirène. Ah, Éphèse, 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 Éphèse. Qu'est-ce que tu vas pouvoir me planter? Fais-moi de la catapulte. Je veux de la catapulte. Là aussi, je veux de la catapulte. Je veux que le feu des dieux s'abatte sur l'ennemi. Zeus l'a dit, Jupiter l'a confirmé. Bon, je risque de perdre par contre mon pote là, je pense. Là, j'ai été un peu trop confiant. Il y a des chances qu'il y reste. Alors, pour l'instant, les Perses ne bougent pas une, bougent pas une oreille. Moi, ce qui m'inquiète le plus, ça va être eux là, quand ils vont revenir. Il reste que de piquer un peu. Il va falloir créer une espèce de glacis de sécurité autour de Théodosiopolis. Et notamment faire. Faire des. Comment dire? Des forts. Ça va être l'objectif numéro 1. Très bien, bah écoutez, on va lancer nous notre attaque sur Théodosiopolis. Enfin, sur Antioche, pardon. On va essayer de lui mettre très rapidement la misère. Max d'unités à proximité qui ne sachent plus où donner de la tête. Hop, toi là, je t'envoyais aussi. Puis quitte à faire un débarquement là. Quoique non, parce qu'il va me tirer dessus. Ok, le reste ça protège.
Ici on est bien. Ici on est bien. Tac. 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 Catapulte. Ici s'il vous plaît. Continuez à faire de la catapulte. Ici ils nous ont attaqué un petit peu, mais rien de bien méchant. Tac, parfait. On va pouvoir se mettre en défense et on va pouvoir avancer nos pions aussi à ce niveau-là. Eh oui mes amis, eh oui. Eh oui, on va pas rester statique, on va avancer. Toi par contre tu vas rester là. Pour l'instant aussi. Pas de rush nécessaire. Hop, on continue à mettre en place nos catapultes autour de leur ville. On va prendre le respect. Très bien. Fortification, fortification. Du coup, je pense que je peux peut-être me mettre ici. Toi, tu vas pouvoir peut-être descendre là. Renforcer mon attaque. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose plus 1 de culture pour chaque caserne et une armée hostile apparaît près d'une de vos villes. Sauf la capitale. Non. Moins 1 de bonheur, non plus. Bah écoutez, de toute façon, je suis déjà en déficit de moins 58, j'ai envie de vous dire, ça changera pas des masses. Ça continuera à delay des unités. Donc on s'en fout. On va plutôt partir là-dessus, ce sera quand même ce qui a le moins de pénalisant. Ensuite là, ça donne quoi? Là, ça donne qu'ils ont attaqué ici. Bon, ça me dérange pas plus que ça. Bien au contraire, ça aurait pu être pire. Ok. Là j'ai pris un peu normal. Hop, on va essayer de leur apprendre un peu de respect. Ok, elle a dû être dissoute hein, je suppose, voilà. Très bien. Mon légionnaire ici, on va lui mettre 1 plus 1. Toi tu vas avoir 1 plus 1 également. Tu vas rester là par contre, toi je veux bien que tu viennes là en protection. Damas produit ceci, c'est parfait. Là, on va commencer nous à faire de la réparation. On est prévoyant, on sait que ça va tomber. Donc là, hop, on va commencer à bombarder la zone. Pouf, moins 42. Pouf, moins 47. Plus ça en plus. Donc là, j'ai perdu combien de PV? J'en ai perdu 44. Donc normalement, le prochain tour devrait pouvoir passer encore. Selon des calculs savants, ça devrait passer. Donc toi, tu vas pouvoir te mettre en mode défense. Ça va pas tout non plus, tout simplement parce que bah, on veut récupérer la ville, hein, tout de même, on va pas la raser. Là, voilà, on se met tout en protection, on est bien, on est tranquille. Ici tu vas me faire un fort du spadas, hein. Je pense que là je vais vraiment avoir besoin de renforcer la zone ici de mon attaque. Du coup toi tu vas certainement arriver là. Qu'est-ce qu'on nous propose à Damas? Damas, tu vas me faire du lancier. Je vais toujours faire de la catapulte. On sait jamais ce qui va me delay. Ce serait con qu'il delay une catapulte au moment où j'en aurais plus besoin. Une Théodosiopolis, elle récupère un peu des forces, ce qui est très bien. Ah, je pense que je vais vous faire plaisir. Hein. Je vais arrêter la vidéo au moment de la reprise d'Antioche. Très clairement, on va partir là-dessus. Là, il risque peut-être de me delay celle-ci. On n'est pas à l'abri de ce genre de décision. Très bien. Donc toi tu es mort. Toi tu as pris un petit peu cher. Mais tu vas continuer à leur mettre bien profond comme ça. Car ce sont des méchants. Oui, ils sont méchants. Donc nous on va la renforcer. Ça pour leur en mettre plein la gueule. Parce qu'on aime ça. Donc ça c'est le point numéro 1, on aime ça, là on est plein les gueules. Donc non, on va pas attaquer, pourquoi? Parce qu'après, toujours pareil. Ah, mais là voici la contre-attaque. Je me disais aussi. Où ils étaient? Mais où étiez-vous mes amis? Parce que les 1, c'est pas des rigolos quand même. Hop. Et voilà, une Antioche revient chez moi. Là on va pouvoir lancer les différentes troupes contre l'Axe maintenant et se débarrasser complètement de cette menace. Alors après ça va être pareil. Il
faut que je choisisse bien. Parce que si on choisit pas bien, on va avoir des problèmes. Et moi, les problèmes, j'aime pas ça. Non, je n'aime pas ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la jouer fine. Pouf. Lui, je le tue. Très bien. Lui, je lui fais bien. Par contre, toi, tu vas pas rester tout seul, sinon ça va piquer. Très bien. Si on envoyait des troupes. Donc, pareil, nous, l'objectif, c'est vraiment d'avoir le maximum de bonheur pour tirer le meilleur profit de nos troupes. Donc, on va pas pouvoir se permettre de les voir subir, en fait... d'avoir un mauvais comment dire un mauvais moral, on va dire ça comme ça. On va essayer de s'approcher un petit peu comme ça là. Tac. Pouf. Tout en défendant toujours nos unités à distance puisqu'elles sont très fragiles, ça on ne le dira jamais assez, mais elles sont très très fragiles. Et bah écoutez, tour suivant. Pouf. Et puis voilà, je pense qu'on va juste vérifier que tout se passe bien. Ici, pouf, voilà, on va regagner un peu de sérénité, un peu de points de bonheur, et ce sera parfait. Hop. Il y en a un où je devrais passer quand même tranquillement, parce qu'ils ne vont pas m'attaquer à part à distance. Ah ouais, d'accord, lui, je sais pas comment ils font des fois les gens, moi je peux pas faire ça. Hein. Mais lui, moi, ouais. Tranquille. Et bah écoutez, c'est sur ceci que nous allons nous quitter. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée ou une excellente fin de soirée. Et à très bientôt. Ciao ciao.